C'est spécial, il y en a plein qui sont sortis à cause de ça sur la flotte. Donc, moi, je suis monté un peu large. Je suis monté un peu large à l'arrière, je suis en 2,45. Il a fallu que je mette du 2,25. Et là, la largeur de la voiture, c'est pas factice. Il y a vraiment un tube qui est relié au moteur là pour l'évacuation d'air. C'est quoi? C'est pas du tuning. C'est pas du tuning, ouais. Non, il y avait vraiment une utilité à ce que ça soit aussi large que ça. Mais là, c'est l'entrée d'air pour le moteur. Oui, mais sur ce type de voiture, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est surtout la maxi. Ouais. Parce qu'après, il y a la diurite qui va alimenter l'air frais ouais. pour le moteur. Ouais. Le moteur de la maxi, il va jusque là, hein, il vient jusqu'au bout. Donc là, c'est différent. Là, j'ai un petit. Là, c'est petit 4 cylindres. Donc je vais démonter ça. Vous avez arrêté la com, merci. Ouh là là. Il est bien encapsulé, hein, quand même. Hein. Ah bah, putain, il fait chaud dedans. Ah bah, tu parles, oui, en plus. Ah bah, l'été, ça doit être une bonne fournaise. Ah ouais. Par contre, ça, les accélérations en virage, c'est. Le petit moteur qui va bien. Ouf. Ouais, donc il est déjà préparé. Parce que normalement, c'est une injection K normalement qu'il y a dessus. C'est vrai, c'est un JK. Comment c'est logé? J'ai un ferry de blanc, un 200 là. Un ferry, à dire de chez un spécialiste de la 5 qui s'appelle monsieur Vizier. Donc, il m'a tout refait le moteur. J'ai emmené le moteur démonté, il m'a tout refait le moteur. Donc là, j'ai racheté la tour parce que c'est moi qui a. Comme j'ai un Daluz, un 4 ans d'Adaluz. Donc le réservoir il est là. Hein. Là c'est un réservoir. Hein. Réservoir d'essence ouais, et l'échappement il passe là. Oh là 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 là. Ouais, non mais ça. Je sais pas si vous avez le lumière. T'as un mètre 5 de toute façon dedans. Quand on voit, vous n'avez pas la lumière, mais quand on voit ici la déformation. Ah oui, c'est la chaleur. Ouais. Oh la vache. Il faut savoir que ça, j'ouvre le capot, je roule, on voit tout rouge. Ouais, ça m'étonne pas. C'est impressionnant. Ouais. Hein. Ah ouais. Et donc là. Donc 200 chevaux. Hop, 200 chevaux pour 900 kg. 930 kg. Ouais. Ouais. Donc chez Performance. J'ai quand même 93 litres d'essence dedans. Ah, c'est des. Ah bon, 93 litres, mais c'est énorme. J'ai un réservoir de 93 litres. J'ai un réservoir de 50 litres côté passager et moi, je suis assis sur 40 litres. Mais c'était pas d'origine comme ça? Si. Ah, il le mettait tellement turbo, ça consommait que. Ouais, ça consomme, turbo 2. Ah ouais. Après les tours de Corse, après les Seven. Peut-être pas des. Hein? Faut pas d'accident. Ah ben faut pas d'accident, ouais, c'est sûr que. Dans les premiers. Oui, hein, parce que. Ils ont arrêté la commercialisation parce que c'était dangereux comme voiture. Il faut savoir. Par rapport au poids puissance et la rapidité de la voiture. Non, enfin, ils ont pas arrêté la commercialisation à cause de ça, c'est parce que surtout qu'ils arrivaient pas en vente à l'époque. Le problème, c'est que. Il y a eu deux choses. La première, c'est que la première qui est sortie, elle était avec un intérieur, ce qu'on appelle le Berton. Ce qu'on appelle la turbo. Tout le monde dit turbo 1, turbo 1 n'existe pas, c'est la turbo. Voilà. Turbo tout court. Hein. Turbo tout court. Donc ça, c'est spécifique à l'intérieur. C'est la même voiture que ça, sauf que l'intérieur, c'était spécifique. C'est magnifique. C'est vrai que. Ah, le tableau de bord, tout ça, c'est spécifique. La différence de prix qu'il y a. Là, c'est Alpine c'est Turbo, fabrique. En fait. Les Turbo 2, en fait, c'est l'intérieur d'Alpine Turbo. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, c'est pour descendre le prix de la voiture, en fait. C'est pour réduire le prix. À l'époque. Parce que ça vendait, c'est trop cher. Et l'intérieur, tout en moquette rouge. Donc là, c'est rouge rubis. Ouais, rouge rubis. Ah ouais. J'essaie de retrouver parce que j'ai une petite fuite à la fois, on a tout changé les émetteurs et récepteurs, enfin tout est refait neuf cette voiture. Ah, moteur central là, c'est plus moteur. Là c'est moteur central arrière. Ça c'est propulsion. Dans central arrière c'est différent là. Moi le moteur il est. Bah, c'est mieux équilibré. L'équilibre des charges il est idéal quoi. C'est énorme. L'équilibre des charges c'est idéal. Ouais. Donc là, voilà. J'ai pas ma roue de secours, donc là vous allez voir le petit RX. Voilà, parce que ma roue de secours, on est encore de... Roues, voilà. c'est la vraie roue d'origine, ça. C'est la roue comme ça. Avec les pneus très compliqués. Alors, c'est délicat, parce que si je crève à l'avant, il n'y a pas de problème, je vais la monter. Mais si je crève à l'arrière, je suis foutu. Ah ouais. Parce que c'est une roue qui va de l'avant... Juste à l'avant et... L'avant de la turbo d'origine. Donc là, j'attends de refaire la roue de secours, mais dans mon idée, si je crève avec la bagnole, je vais avoir une roue de secours. Je suis mal quoi, si c'est de l'arrière, je suis mal quoi. Parce qu'elles sont plus larges. Ah bah oui, c'est pas pareil. Ouais, ça n'a rien à voir. Des problèmes, Et alors Sophie, sur les vidéos R12, oui. Du coup les gens ont dit, oh là là, il faut mettre de l'additif à chaque fois. Je le fais maintenant, effectivement, je le fais maintenant. Et un autre truc qui a été dit, qui était très instructif, attends, ça me revient. Sur l'agression à l'arrière, donc du coup on se posait la question sur le plastique à l'arrière, mais qu'est-ce que c'est que ce plastique? C'est de la. Ils s'en foutent une voix, ces cochons. Ah bah ouais, c'est pas toujours évident de savoir tout, surtout, mais c'est bon. C'est juste l'aération en fait. C'est l'aération à l'arrière, mais même moi je. Voilà. Mais au-delà de l'aération, je sais pas, c'est ça qui donne un style sur cette voiture. Oui, carrément. Hein ouais. C'est d'origine ou c'est. Et encore, il était différent sur les toutes premières. Oh la vache! Ah! Sublime! Et là, voici Brice avec sa R16. Ah, ça vient de
Ah, c'est top. Sublime. Oh, Brice, mais il y a de tout, c'est ça, et c'est libre. Il y a de tout. C'est de l'ancienne, c'est de la moderne. Bah, tu vois, regarde, tu parlais dans tes reportages la différence de taille de pneu. Bah là, tu vois. Ouais, bah tiens. Là, on peut voir effectivement la bonne différence. C'est bon, Brice. Quel plaisir. Bah, ah, tu reviens de vacances là. T'es en pleine forme. Hey, je reviens de Bretagne, t'as vu? Bronzé comme ça. Bah, t'as bonne mine, bravo. Bon, on va voir s'ils sont vraiment passionnés. Maintenant, on va faire un petit jeu là, on va voir ça. Bon alors, messieurs, dames, les passionnés, s'il vous plaît, si on peut voir tout le monde, venez, venez. On va faire un petit jeu là, parce qu'on va voir. On va voir si vous êtes vraiment passionnés jusqu'au bout. L'idée, ça va être de deviner une voiture avec un morceau. Je vais en montrer une photo, un tout petit morceau, et vous allez me dire de quel modèle il s'agit. Donc il y a de tout, Ah ouais, il faut des lunettes. Il y a de l'ancienne, il y a de la récente. Donc là, je montre à la caméra le morceau de la première voiture. Alors maintenant, je montre ce morceau de voiture. Attends. Attends. Oh là là, mais ils sont trop rapides. J'ai un peu... Ben oui, c'est ça. Alors, deuxième morceau. Je montre à la caméra. Voilà le morceau. Maintenant, attention, on va voir si vous allez être aussi rapide. Deuxième morceau. Ah là, il faut regarder. Non, mais il est infernal, Brice. C'est quoi, c'est une 500? C'est un 500. Mercedes 500 SL. Attention. Troisième morceau à la caméra. C'est plus récent, attention. Porsche. Non. Non, non, ça c'est la MX-5. Ervan, Mazda MX-5. Oui, c'est une MX-5. Comme la dernière fois. Mais oui, c'est jamais ressorti, effectivement, t'es fort. Je montre à la caméra. Voilà, une ancienne. Oh, ça c'est Ricard. C'est pas évident. Attends, je le prends au milieu. C'est fini là les. Bah, c'est pas une face Vega. Oh, il a dit quoi? Il est infernal, c'est une face Vega, mais oui. Oh non, mais attends, et je montre. Alors celle-là, il fallait la trouver, hein, franchement. La conduite autonome, juste pour voir un peu entre tous les passionnés qui sont là. Qui est pour, qui est contre? Donc pour ceux qui sont pour la conduite autonome, levez la main. Attends, je prends. Ah, il y en a un. Il y en a un. Alors ça, c'est intéressant. Alors là, on va prendre le commentaire. Ah bah non, non, mais t'as gagné. T'as gagné, t'as levé la main. Non, mais dis-moi. Dans un sens où c'est une nouvelle technologie, c'est on avance. C'est un truc qui est récent et qui va démarrer fort. Qui va démarrer. On n'en est pas encore là, même si Tesla a déjà son régulateur autonome. C'est bien les premiers précurseurs. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça remplace le conducteur. C'est ça. Mais moi, je suis de ton avis, en fait. Ouais. Je suis comme toi. Moi, j'aurais levé la main pour. Parce que la conduite autonome, ça doit être un bouton que tu actives quand t'as envie. C'est pas la voiture, elle est forcément autonome. Et donc, ça apporte la sécurité en plus. Ouais. Ça permettra peut-être aussi de ne pas diminuer les limitations de vitesse. Parce que si les voitures sont autonomes et si elles arrivent à s'autogérer entre elles... Ouais, alors après, oui. D'avoir une sécurité suivante. Mmh. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais quand tu appuieras sur le bouton, tu seras fatigué, j'en sais rien, ça pourra t'aider. Voilà. Et quand c'est chiant dans les embouteillages, c'est là où je vois le grand intérêt de nos amis parisiens. Quand ils vont au boulot, ils appuient sur le bouton et ils font autre chose pendant ce temps-là. Et d'autres contextes, hein, qu'est-ce que vous avez évoqué comme contexte? Il y aura le bouton maison. Maison. Ah bah, non, bah oui, il n'y aura plus de problème avec l'alcool. Bah oui. Les personnes à mobilité réduite. C'est aussi. Pour les personnes à fauteuil roulant, moi j'ai mon bouffe qui a une sclérose en plaque et malheureusement il peut plus conduire et c'est vrai que quand il veut se déplacer c'est transport en commun, il n'a pas toujours les oreilles. Là il y aura de l'intérêt aussi, ouais, effectivement. Et c'est vrai que pour les personnes à mobilité réduite ça peut être... Il y a certaines activités et même pour les taxis, tout sera automatique, tu chercheras plus un taxi. Fin. Je reste convaincu que ça peut fonctionner si tu as un bouton et que tu l'actives sur commande. Voilà, là ça a de l'intérêt. Après le reste, le plaisir de conduire, on peut pas nous enlever ça quand même. Hein. Ouais. Bon Brice, t'as les clés de la R12. La R12, c'est la première fois. C'est la première fois. Je veux filmer cette séquence émotion. Brice conduisant la R12 de Sophie. C'est énorme. Sur Céline, s'il vous plaît.